Bonjour à tous, salut Simon, comment ça va? Simon, ouais, la forme, toi ouais, aussi? Nickel. Bon, on se retrouve aujourd'hui à Pontivy. Exactement, donc la moisson est bel et bien derrière nous. Oui. Par contre, je t'ai donné rendez-vous devant une machine que tu connais ou que tu as déjà vue il y a peu. Ouais. Puisque c'est la machine, la Lexion 650, notre best-seller historique de Lexion Secoueur, qu'on a pu comparer cet été. Ok. Face à une machine qui la challenge, donc la Lexion 5004, nouvelle génération, mais 5 secoueurs. La question c'était, est-ce qu'une 5 secoueurs vaut une 6 secoueurs? Et donc la réponse dans la vidéo, puisqu'on se retrouve en cabine avec toi pour démarrer, je dirais, ce comparatif, donc une Lexion 5 contre une Lexion 6. Ouais, la saison s'est plutôt bien passée, comme tu le sais, parce que ça fait un mois qu'il fait beau, donc ça fait un mois qu'on moissonne. Ça n'a pas été arrêté? Non. Donc on achève quasiment notre mois de démonstration là. Ok. Notamment avec cette Lexion 5400. Très bien. Et c'est une machine vraiment qui fait partie du, on va dire, début de la gamme Lexion. Comme tu sais, 5000, 6000, 7000, 8000. Ouais. Donc on est sur la gamme 5 secoueurs. Et en fait, chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, on est parti cette année avec une petite machine, avec une coupe imposante, 7m70. Et qu'on est allé amener en face de machines 6 secoueurs, classe ou concurrente, et vraiment pour prouver que 5 égale 6, pour faire simple. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est savoir est-ce que ça a fait ou pas. Et ça va plutôt bien, ouais. Ça va plutôt bien, et tu verras aujourd'hui qu'on est sur un cas d'école, parce qu'on est en face d'une Lexion 650 avec la même coupe de 7m70. Lexion 650, c'est le cœur de gamme, c'est ce qu'on a vendu. Ce que Mathieu m'expliquait, la machine en soi la plus vendue. C'est ça. Et donc là, on a. Justement, l'idée c'est de montrer et de prouver, déjà de par les performances de la machine, qu'une nouvelle Lexion 5 secoueurs est capable de faire autant, voire même un peu plus dans certaines conditions de boulot qu'une X 6 secoueurs. Alors, pour ça, et si on parlait de perte? Parce que c'est un peu la performance, c'est une chose, mais elle ne va pas sans les pertes, puisque on n'était pas sans savoir que sur une machine à secoueur, c'est le premier facteur limitant, les pertes au secoueur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un test vraiment grandeur nature et vraiment objectif. C'est-à-dire, on met les deux machines côte à côte, on avance quasiment aux mêmes vitesses, avec les mêmes coups, dans les mêmes conditions, parce qu'on est dans la même parcelle, côte à côte, et on regarde ce qu'on vient faire en débit. Mais également, on vient contrôler les pertes derrière. Donc, on est équipé pour faire. Donc, c'est l'idée du comparatif et afin d'être vraiment exhaustif dans le débat. Ouais, parce que faire avancer la machine, c'est une chose. Ça, c'est pas compliqué. On pousse le manche. Par contre, c'est voir ce qui reste derrière. Exactement. Est-ce que oui ou non, c'est intéressant. Et si on fait du bon travail et si le grain est propre, derrière, on trimie aussi. Ça marche. Bon, je suis là avec Frédéric. Exactement. Allez. Comme ça, tu vas voir l'autre machine. Et puis après, on fait les comptes. On fait les comptes. Ça marche. Allez, let's go. On arrive dans la Lexion de Frédéric. Salut Frédéric, comment ça va? Ça va. Hop là, allez. Donc nous voilà dans une Lexion 650. Alors celle-ci, elle est de quelle année exactement? Vous l'avez depuis quand chez vous? 2017, ok. Alors est-ce que tu peux, je dirais peut-être rapidement, nous expliquer dans quel contexte on est, quelle exploitation vous avez? Et puis au final, pourquoi, aujourd'hui on a une 5004 en face de votre machine? On est sur une exploitation de type grande culture, ouais, avec environ 270-280 hectares par an à moissonner entre blé, maïs, orge, colza. Ok. Quand on avait acheté à 650, on était parti sur une 6 secoueurs pour gagner en débit de chantier. Très bien. Donc, par rapport à une. C'était quoi que vous aviez avant? Alors, c'était une Tucano 440 qu'on avait avant la Lexion. Okay. Et avant la Tucano, c'était une Lexion 430. D'accord. On a été passé, c'est la deuxième machine en 6 secoueurs. L'inconvénient du 6 secoueurs, c'est le gabarit de la machine sur la route. Ouais. On n'a pas trop de route à faire, mais des fois, le fait de rentrer seul, ça permettrait de gagner du plus temps. Souple, gagner du temps. Et du coup, quand on nous a proposé d'essayer la 5000, qui est en fait un gabarit 5, mais avec une productivité journalière sur une 6 secoueurs. On s'est dit pourquoi pas, on va essayer. Et du coup, là, on a eu la 5004 en démo.
ça nous a permis de comparer son débit par rapport à la 650 et notamment sa qualité de battage. Et on est assez impressionné. On était un peu sur le recul, le fait que bon, on descend quand même, on enlève un secoueur, donc en termes de surface de séparation sur la paille, ça fait moins. Et en fait, leur capacité avec leur nouveau système de battage, c'est quelque chose qui nous a relativement surpris et impressionné même. Parce que ça, genre la capacité de battage, enfin, c'est-à-dire que la machine, elle est quand même équipée, une 5 secoueurs est quand même équipée de la même coupe. En termes de débit de chantier, vous ne perdez pas? En termes de débit de chantier, on a mis les deux côte à côte, on ne perd pas de débit de chantier. On a même remarqué que le soir, en période où la rosée a tendance à tomber, notamment à la tombée de la nuit, la 5004 avait quand même une tendance à durer plus longtemps du fait de sa capacité de battage. Ok. Alors si on parle également en termes de consommation, c'est-à-dire que la machine, est-ce qu'elle est plus sobre? Est-ce que la 504 est plus sobre que la 650? Alors d'après les relevés qu'a fait Simon, le démonstrateur, la machine a l'air d'être égale en termes de consommation, okay, voire même inférieure par rapport au débit de chantier, du fait de sa gestion moteur, qui fait qu'aujourd'hui, il régule plus facilement sa charge moteur que la 650. Un des sujets également quand même de la machine, c'est au niveau des pertes. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'avec la 5004, eh bien, quand vous avez mis côte à côte, vous perdez moins ou pas? Alors quand tout à l'heure on a testé avec un échantillomètre sous l'essieu qu'on déclenche à distance les pertes que fait la machine, les deux machines côte à côte avec la même vitesse de battage et à peu près le même réglage de propreté de grain, la même vitesse ainsi que le même taux de perte sur l'afficheur, la 5004 perdait 70 kHa contrairement à la 650 qui perd 120 kHa. Donc ça correspond à environ à moins de 1%. C'est ça, moins de 1% de perte sur un blé ici, qu'on est sur un blé à 80-85 kHa. Et ensuite, ça c'est dû notamment à son caisson qu'elle prend de ses grandes sœurs, la 6000 et 7000, qui fait que tu as un nettoyage beaucoup plus performant, un retour à auton plus rapide qui fait du coup tu peux finir ton battage beaucoup plus parfaitement. Okay. Et donc ça se vend en trémie? Et ça se vend en trémie. Et pour vous, ce que j'ai compris, vous étiez assez attaché notamment à la propreté du grain directement sorti de parcelle? Bah, nous étant en fait faffeur, donc. Aujourd'hui, notre céréale est destinée à l'alimentation des animaux. Le premier nettoyage, c'est toujours pareil, le meilleur nettoyage, c'est la machine. Ouais. Donc satisfait. Satisfait de la machine. Bon, bah, impeccable. En tout cas, merci Frédéric, je dirais, pour les explications et surtout le comparatif. Hâte de voir ce que ça va donner à l'automne. Bah, on verra dans les maïs. Ouais, voilà. Parce qu'elle va faire un peu de maïs en démo. Donc, on fera pareil, un comparatif. Un comparatif, ça marche. Bon bah allez, merci. À la prochaine. Merci, salut. Hop là. Allez, nous on va aller rejoindre Simon. Eh bien, on voit dans cette démo que rien ne vaut finalement la parlole d'un utilisateur. Simon, on a vu qu'une Nexion 600 est bien remplacée. Exactement, la 650 a trouvé sa digne héritière avec la Nexion 5000. Et donc, c'est toujours intéressant de voir ses performances au champ et avec des utilisateurs aguerris. Ouais, avec un moyen de comparaison, entre guillemets, la preuve au champ qu'on a pu voir. J'espère en tout cas que pour vous, cette vidéo vous aura plu. Puis bah, moi, je te remercie et puis je te dis à la prochaine, Simon. À la prochaine. Allez, ciao.